Salut. On est mardi 9 août. C'est la première sortie de la semaine. 45 minutes en endurance. Je suis censé y aller tranquille, mais là ça monte un petit peu. Passage en sable et on continue sur cette montée qui va nous emmener en haut de la voie ferrée. Ça monte, ça commence à tirer un peu là dans la côte, pas trop sur les jambes, plutôt sur le cardio. On continue la côte. Bon, elle est pas très longue, hein. Dans 300 mètres, c'est fini. J'en profite pour vous partager un peu la vue. Voilà, on surplombe légèrement la cuvette de Clermont-Ferrand avec une vue sur la chaîne des Puits. C'est assez sympa. Surtout quand il fait beau. Là, j'arrive au bout de cette côte. C'est un gros chemin agricole, hein. Cette côte nous emmène à la liaison pont du Château-Lande. Je sais pas comment s'appelle cette butte. Peut-être Champlamé, je sais pas. Je regarderai sur la carte. Dans les côtes, je suis pas toujours en train de courir. Bien souvent, je marche. J'essaie le plus possible de rester dans des zones à peu près confortables. Après la côte, la descente, c'est une petite descente, j'en profite pour relâcher et récupérer. Sur les séances en endurance comme celle-là, je suis pas toujours en train de courir et encore moins à fond, hein. Pour rappel, en endurance, je suis censé rester en dessous de 75-80% de ma fréquence cardiaque maximale. J'utilise pas forcément de cardio. Ma montre a une fonction de cardio au poignet. Bon, de temps en temps, je vérifie, surtout pour les séances spécifiques. Sinon, le reste du temps, je suis plutôt à l'écoute des sensations, à savoir que je me ménage des séquences de marche quand je sens que le cardio monte rapidement. On va dire que
il me faut à peu près 1 minute 30 à 2 minutes de marche entre deux séquences de course pour bien faire redescendre le cardio en zone verte, c'est-à-dire en endurance. Allez, un petit mot de ce plan. Alors, c'est un plan spécifique trail 30 à 40 km en 12 semaines. Et là, je suis à la semaine 7, je crois. Pourquoi la semaine 7? Parce que le 11 septembre, je cours la Directissime. C'est un trail local. Anciennement, Grand Trail de Clermont-Ferrand. Départ du sommet du Puy-de-Dôme le 11 septembre. Et c'est parti pour 34 km, 1800 mètres de dénivelé négatif et à peu près 800 000 mètres, je ne sais plus trop, de dénivelé positif. C'est pas une boucle, c'est une descente en ligne droite, sommet du Puy-de-Dôme, Grande Halle d'Auvergne, qui se trouve à la jonction Cournon-Aubière-Pérignat. Donc cette course, elle est assez sympa, parce que d'une part, elle nous fait prendre le petit train à crémaillère pour nous emmener au sommet du Puy-de-Dôme. Sommet du Puy-de-Dôme, un des hauts lieux mythiques du département. Toute la faille et la chaîne des puits sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça vaut le coup d'œil. Et juste avant d'arriver, on monte sur le plateau de Gergovie. Plateau de Gergovie, où a eu lieu la célèbre bataille du même nom, durant laquelle Vercingétorix a mis en défaite les troupes romaines de Jules César. Voilà. Donc c'est une course plutôt sympa. C'est surtout une course étape pour mon objectif final de décembre qui sera la Sainte Express. 46 km de nuit au mois de décembre avec des passages à près de 1000 mètres entre Sainte-Catherine et la halle Tony Garnier de Lyon. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, je suis à une demi-heure de course, un peu plus de 4,5 km de distance. Voilà. On est revenu sur du chemin plus roulant, ce qui permet de relancer un peu l'allure. Si vous suivez un peu la trace sur Strava, ici on est à la jonction du chemin agricole et de la départementale qui quitte Pont du Château en direction de Dalet à hauteur de la déchetterie de Pont du Château. On va partir à gauche, juste après les gros cailloux là, pour rejoindre la deuxième partie de la boucle. Ce sont encore des chemins agricoles qui restent au-dessus de l'Allier.
nouveau un petit bout de côte. Bon, pas bien méchant. Du chemin agricole, comme je vous le disais. On va rattraper la piste cyclable qui longe le stade de Pont du Château. Et ça sera plus ou moins la fin de cette sortie. Voilà, c'est la fin de cette séance de 45 minutes. J'ai fait à peu près 6,5 km, 6,6 km. La suite de la journée, bah, c'est une bonne douche. Là, il est à peu près 9h15. Une bonne douche. Je vais grignoter un morceau parce que j'ai juste avalé un café avant de partir. J'ai pas mangé, pas déjeuné. Et puis ensuite, je vais me mettre au travail à peu près jusqu'à 13h30. Un repas avec les enfants et Muriel parce que c'est les vacances scolaires, donc les enfants sont là et il faut aussi les occuper. Et puis cet après-midi, certainement un petit coup de boulot à nouveau et je me réserverai à peu près 15 minutes pour une petite séance de renforcement musculaire. Allez, à ciao.